Salut tout le monde. Hello. On va essayer de faire plus drôle parce qu'il paraît qu'on n'était pas drôle la dernière fois. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Faut s'en faire drôle. Hein. Hello, monsieur Thierry. Yes, it's ready. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Oui, on est arrivé ici, on s'est payé un petit hôtel plutôt sympa, très sympa. En croyant que c'est le dernier. En arrivant à Cebu hier, parce que c'était comme ça, et puis que comme on quitte Thierry aujourd'hui, c'était mieux. Le seul problème, c'est qu'on a voulu prendre nos billets pour aller sur Bohol en bateau, et que hier, eh ben, les gardes-côtes ont fermé, toujours à cause du typhoon, ont fermé tout. Donc, n'est pas un typhoon. Pas de bateau, rien du tout. Aujourd'hui, on part au port, là, et puis eh ben, on va voir. S'il faut passer une nuit de plus à Cebu, on passera, mais le temps est super beau. Je pense qu'ils ont dû tout débloquer. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un bateau? Est-ce qu'on va avoir un bateau pour la ville où on veut aller sur Bohol? C'est pas sûr. C'est pas dans ce pays. On croise les doigts. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout pour les nouvelles. Mais, voilà, mais il fait beau, c'est tout va bien. C'est l'aventure, les Philippines. Allez, bisette tout le monde. Salut. Et bon dimanche. Et on a 7 heures de décalage. Attention. Allez. Arrivé à Bohol, sur l'île de Bohol. Oui. Ah oui, elle a vachement de conversation aujourd'hui ce soir, Anne. Et pour la première fois, nous prenons un vrai tuk-tuk qui va nous emmener au village de Carmen, situé à peu près dans le centre de l'île. Voilà. C'est un tuk-tuk avec des rideaux de douche. Ah, c'est bien, c'est pour la pluie, c'est mieux. Lundi matin, en balade à Chocolate Hill. Salut les petits loups, c'est lundi matin. On vous souhaite une bonne semaine, hein. Ouais. De boulot ou de vacances, ça dépend pour qui. C'est souvent du boulot, hélas. Mais c'est de la vacance pour les enfants en ce moment. Ouais, si. Ah, oui, pour les petits. Bien sûr, les petits. Bonne vacances, Daphné. Sinon, nous sommes à Chocolate Hill. On est à peu près on a la ville de Carmen dans le centre de l'île de Bohol. On est venu passer la nuit ici et puis on repassera la prochaine et après on se barre, on descend ailleurs. Et là, c'est très joli. Chocolate Hill, ils appellent ça chocolate parce que l'été, quand le feuillage est un peu brûlé, ça ressemble à du chocolat, tous ces monticules que l'on voit apparaître. C'est marron, quoi. Ouais, c'est marron. Alors que là, maintenant, c'est vert quand même. Parce qu'il y a eu toute la saison des pluies qui est passée dessus, plus ces derniers jours, donc c'est vraiment vert. Mais le coin est vraiment très joli. C'est très beau. C'est original, oui. Et c'est rigolo parce que l'atmosphère change complètement de l'île de Cebu. C'est beaucoup plus clean, beaucoup plus... C'est pas à quoi c'est dû, ça. La politique sur l'île ou pas. J'en sais rien. Bon. Faudra qu'on creuse. Faudra qu'on creuse, hein. On va demander aux Belges. Creuse, on demandera aux Belges, c'est ça. Dans 2 jours, 3 jours. Bisettes à tous. Bisous. À plus tard. For apps.
Pour tous les copains de Andrézieux Boutéon Badminton Club. Enfin, ça joue dehors ici. Hein. Et les volants, je pense que ceux que nous on jette, on peut leur passer.